Votre présence ici ce matin est un profond témoignage de votre sens du devoir et de votre engagement à exercer votre rôle et à assumer vos responsabilités d'élus du peuple. La réalité sociale, économique et politique, telle qu'elle se présente aujourd'hui, commande que des mesures urgentes, efficaces et efficientes soient adoptées. Depuis plus de mois, le pays vit une situation gouvernementale qu'on pourra qualifier d'exception. Et cette réalité gouvernementale ne facilite pas la prise de décision et la mise en place d'actions susceptibles d'apporter les réponses appropriées à la situation d'insécurité et aux grandes difficultés économiques auxquelles le peuple haïtien est confronté. Si la mise en place d'un gouvernement constitutionnel et fonctionnel n'est pas automatiquement la solution à ces maux qui rongent notre pays, elle constitue néanmoins une étape déterminante dans le processus. En cette année 2019, les défis sont nombreux. Des élections législatives et locales sont prévues pour le renouvellement de la 50e législature, deux tiers du Sénat et des collectivités territoriales, conformément aux prescrits de la Constitution. Ces journées électorales sont importantes dans le renforcement de la démocratie. La réalisation de ces élections est conditionnée par l'adoption d'une loi électorale. L'implémentation du programme du gouvernement nécessitera des moyens financiers. Le seul instrument légal capable de mettre ces moyens à la disposition du gouvernement est la loi budgétaire, qui malheureusement jusqu'à présent n'a pas encore été adoptée. Voilà, chers collègues, députés et sénateurs, entre autres raisons qui justifient cette session extraordinaire. Ainsi, je vous invite donc à vous mettre au travail avec assiduité, clairvoyance et promptitude pour épuiser au plus vite le menu de cette convocation. Bon travail, je vous en remercie.